Classe avancée, ça c'est beau. Puis l'épreuve du feu qui va terminer le tutoriel. On mélange tout et on rajoute des événements. Il est temps de participer à un vrai duel. Aha! Normalement, c'est le premier vrai duel que tu fais. Ok. Lors d'un duel standard, chaque joueur ramène 8 cartes d'événements. Des événements. Au début d'un duel, toutes les cartes d'événements sont mélangées, puis deux sont piochées et placées sur le champ de bataille. Pendant votre tour, vous pouvez jouer une ou deux cartes d'événements. Astuce. Faites attention, certaines cartes d'événements ont un coût en ressources et d'autres peuvent jouer en faveur de votre adversaire. Votre adversaire a joué la carte d'événement Festivité. Astuce. Faites un clic droit sur la carte Festivité. Touchez deux fois sur l'iPad pour en apprendre plus sur son coût et ses conditions d'utilisation. Donc, au début de chaque tour, la carte d'événement située sur la gauche est retirée et une nouvelle carte d'événement est piochée. Il y a toujours deux cartes d'événement sur le champ de bataille. Astuce, si vous venez à manquer de cartes au cours d'un duel, votre héros perdra un point de vie chaque fois que vous devriez piocher une carte. Vous êtes désormais prêt à affronter un adversaire au cours d'un vrai duel avec les règles de base. Bonne chance. Bonne chance. Ok, pour deux ressources, chaque joueur pioche une carte. Ça m'intéresse pas. Et pour zéro ressources, je pioche une carte et je ne peux pas jouer de carte pendant ce tour-ci. Vous ne pouvez jouer la semaine de la connaissance que si vous n'avez joué aucune carte pendant ce tour. Ok, on va commencer par augmenter la force du personnage. Volante magique incorporelle. Si cette créature subit des dégâts de source non magique, ils sont réduits de moitié et arrondis au nombre inférieur. Regardez, le art est quand même cool. Ça, c'est la première série. Je pense que la deuxième série est encore une coche supérieure. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je pourrais attendre de voir qu'est-ce qu'il va jouer. Sauf que si je pioche une carte, je pense que je peux pas en avoir plus qu'un certain nombre dans ma main en même temps. Donc c'est un peu inutile. Donc je vais jouer ma liche Nécrophyte. On va mettre ça ici. Fin du tour. Ça me prendrait de la magie. 3 de magie, 3 de magie. Vous voyez que si je mets ma flèche sur une carte, il m'indique en rouge en haut ici ce qui me manque pour jouer la carte. Donc, quand même intéressant. Immunisé à la riposte, drain de vie. Cette créature ne peut pas subir des dégâts de riposte. Wow. C'est quand même fort ça. Puis drain de vie 2, chaque fois que cette créature inflige des dégâts d'attaque, soignez 2 points de dégâts de celle-ci. Je dirais que le chevalier est vraiment très fort. Fait qu'on va augmenter les points d'attaque. Puis on va jouer le chevalier en avant de ça ici. Puis en plus, ça vole cette affaire-là. Wow. Ok. On va essayer ça. Immunisé à la riposte. Puis, canalisation de la magie. Tant que cette créature est présente sur le champ de bataille, le niveau de magie de son contrôleur est augmenté de 1. Donc, il y a des idées intéressantes aussi sur le jeu. Un prolifique reproducteur. Bon, il y a 2. Fait que je peux le tuer avec ça sans problème. Puis j'avais pas assez de magie de toute façon pour donner vraiment beaucoup de force. J'aurais envie de me rendre à 6 de force avant d'aller chercher de la magie. On va faire ça. Toujours important de regarder de temps en temps les habiletés.
pourrais pas jouer de cartes. Ça, c'est bien bon quand tu as presque plus de cartes dans tes mains. Là, j'ai 4. J'ai comme envie d'y aller super agressif. On va les décaler un peu. Oh. Ok, on va aller voir bouclier de feu, puis immuniser à la riposte. Ok. Fait, je vais déplacer mon chevalier là. Je vais attaquer, attaquer. Je vais augmenter ça. Je suis rendu à 5 déjà. Infection. Quand même 6 de dégâts. 6 de points de vie en fait. Je vais venir protéger mon archer ici. Fin du tour. À date, il n'y a pas joué grand-chose, par exemple. C'est sûr qu'on n'est pas très avancé. Ok. En fait, je vais y aller comme ça pour pouvoir avoir les dégâts de riposte. Ensuite, je vais y aller comme ça. Comme ça. Je vais me guérir en le tuant. Mais je me suis pas guéri. Ben, je me suis guéri, mais je me suis pas guéri parce que je l'ai attaqué. En l'attaquant, j'ai mangé 2 à cause de son bouclier de feu, mais j'ai regagné 2 à cause de son drain de vie 2. Puis sa créature est morte, donc c'est pas si mal. Puis ben, il est mort comme ça. À la limite. Mais on aurait pu jouer plus longtemps, pas mal pour le fun de jouer. Donc ça, c'est beau. Le tutoriel, c'est fait. Puis là, on va jouer dans les Sabrevents. Ceux qui sont à la recherche de gloire et d'or choisissent la voie des mercenaires. Rejoignez une compagnie pourvue d'une solide réputation et votre fortune est faite. Mais nous sommes les Sabrevents, fidèles serviteurs d'Illath, le dieu dragon de l'air. Notre fraternité est scellée par un serment et par un passé que chacun de nous tient à l'oublier. J'ai choisi de fuir le repaire des nécromanciens et la cité magique d'Al-Bethil, mais mon destin fut scellé le jour où le venin de l'araignée sacrée avait fait de moi un vampire. Pendant près d'un siècle, j'ai essayé de vivre avec, mais ce n'était pas une vie. Pourtant, où que j'aille, les dragons ont toujours fini par me rattraper. Quand on a un rôle à jouer dans le grand plan établi par les dieux, il est impossible de leur échapper. Ok. Sélectionné. Fait que. Oh, ok. Ça, c'est la campagne 1. Puis dans la campagne 1, il y a 5 missions. Ok. La Croix de Vradek. C'était un jour comme les autres dans la vie tumultueuse d'un sabre-vent, Kieran. Le commandant de notre compagnie nous transmit les ordres qu'il venait de recevoir. Apparemment, le Saint-Empereur n'appréciait pas d'avoir été privé des friandises et autres liqueurs que les cités franches était censé lui faire parvenir. En l'espace d'un an, bon nombre de convois marchands s'étaient ainsi évaporés. On nous avait donc demandé de sécuriser l'itinéraire qu'ils empruntaient. Nous venions d'établir notre campement à la Croix de Vradek quand l'ennemi que nous traquions prit l'initiative. Un groupe d'orques engagés nous chargea par surprise alors que nos hommes étaient pour la plupart en train de dormir. Les orques, des créatures souvent prises à tort pour des brutes sans cervelle, les rejetons des magiciens des sept cités, des humains capturés sur lesquels on avait expérimenté l'injection de sang de démons afin d'en faire des tueurs de démons hideux. Enfin, un peu d'animation pour tromper l'ennui. Yeah, right.
Ok, je m'étais déjà fait un deck. Choisissez votre deck. Ok, c'est un deck autorisé. Ça fait longtemps que je vais jouer ça. Récompense par faction. Ok. Éliminer cet orc ne devrait pas vous poser de problème. Il cherchera à vous surprendre à l'aide de créatures dotées de la compétence attaque rapide. Il se défendra grâce à peau de pierre. Préparez-vous à jouer de patience et tout devrait bien se passer. Bon, super. Récompense par faction. Ok, donc je peux faire la même mission 6 fois avec 6 factions différentes. Puis une fois que j'ai toutes les récompenses de faction. D'après moi, une fois que j'ai les 6 factions de fête, ça va me donner un pack du set de base 1. Donc, c'est une autre façon de débloquer des cartes. Cool. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur le display, le nouveau display. Si vous aimez ça, si vous aimez pas ça, s'il faudrait le déplacer, etc., etc. Ne vous gênez pas. Joueur qui commence, conservez cette main. Ok. Suis pas sûr que je trippe tant sur ma main. Mais on va y aller de même. Ok. On va aller voir c'est quoi ça avant. Je dirais d'habitude, c'est pas mal ce que je fais au début du tour, si je me rappelle bien. Chaque joueur pioche une carte, puis défausse une carte et pioche une carte. Fait que c'est un peu n'importe quoi. Fait que j'ai 1-1-2. Le 1-1-2 qu'il y a là en passant est donné par mon héros. Donc chaque héros va vous donner des types de ressources différentes au départ, puis il y a certains héros qui donnent des habiletés différentes aussi que ces quatre habiletés-là. Trois de magie, puis trois de fortune. Bon, je pense qu'il faut que j'augmente ça, puis je vais mettre une goule ici. Une goule funeste. À part de ça. Rage. Chaque fois qu'une créature alliée meurt, placez un marqueur de rage furibonde conférant plus un d'attaque et plus un de riposte. Sur cette créature. Après l'attaque de cette créature, dissipez tous ses marqueurs de rage furibonde. Ok, fait que ça, faut que ça meure là. Puis ça pourrait le faire drette là. Ce qui est pas mal génial. On va s'augmenter ça encore. On va se mettre ça ici. On va attaquer. Plus un d'attaque. Il me reste un. Je vais le jouer là-dessus. Fin du tour. Oh, c'est juste un tour, ça. Jusqu'à la fin du tour. Bon. Ok, my bad. 4. Oui, on va faire ça. lui est immunisé à la riposte, donc on va faire ça. Lui, il attaque pas, il fait juste à se défendre. Attaque impossible, résistance à la magie. Les dégâts de créatures magiques ou de sorts.